Le chrysanthème, xuperdum, de couleur blanc. Le verbe créateur n'appartient qu'au divin. Le verbe créateur est le mot qui crée. Il y a toutes sortes de vieilles traductions, des vieilles traditions hindoues, des vieilles traductions chaldéenne, où le divin, sous forme de créateur, c'est-à-dire son aspect de créateur, prononce un mot qui a le pouvoir de créer. Alors c'est cela, et c'est l'origine du mantra. Le mantra, c'est le mot prononcé qui a un pouvoir créateur. On fait une invocation, et il y a une réponse à l'invocation. Où on fait une prière et la prière est exaucée. Ça, c'est le verbe qui, dans le son, ce n'est pas seulement l'idée, c'est dans le son qu'il y a un pouvoir de création. C'est l'origine du mantra. Dans la mythologie indienne, le dieu créateur est Brahma. Et je pense que justement, c'était sa puissance qu'on avait symbolisée par cette fleur, le verbe créateur. Et quand on est en contact avec ça, les mots prononcés ont un pouvoir d'évocation, ou de création, de formation, ou de transformation. Les mots. Le son a toujours un pouvoir. Il y a beaucoup plus de pouvoir que ce que les gens ne le pensent. La mer.